super content de vous voir. Ceux qui nous visitent pour la première fois, je me nomme Gaétan, je suis pasteur principal ici à l'église avec une belle équipe de pasteurs. Et on est dans l'avant-dernier message d'une série qui se nomme « De chrétien à disciple » où on voit que la manière qu'on conçoit le christianisme, Jésus a beaucoup plus pour nous. Je ne le fais pas souvent, mais tu peux dire à la personne à côté de toi, « Jésus a plus pour toi ». Merci pour les 7 personnes qui ont participé. De semaine en semaine, j'ai des gens, c'est mon église, mais vous menez la vie dure, donc vous n'êtes pas toujours « on est là, mais on ne collabore pas trop », c'est correct. Cela étant dit, donc avant-dernier message, et on a vu que le plan de Jésus pour changer le monde, pour bouleverser le monde, c'était simple, c'était faire des disciples. Des disciples, c'est quoi? C'est quelqu'un qui apprend de Jésus, qui à leur tour était pour faire des disciples de Jésus. C'était sa méthode, c'était vraiment une méthode qui n'était pas axée sur les programmes, qui n'était pas axée sur de grands ministères, c'était axée sur des gens. Et je suis très heureux de dire qu'en 2013, notre orientation ici à l'Église de Portail, après des années, on a dit, nous, notre focus désormais, ce n'est pas nécessairement de grands programmes, de faire beaucoup de choses, une grande structure, notre focus, c'est simplement les gens. Et là, il y avait un « amen » dans mes notes. C'est les gens, c'est vous. Donc, c'est les gens de dire, par des petits groupes, par un site qu'on va commencer à Terrebonne, c'est vraiment un accent sur les gens, faire des disciples, que des gens viennent à Jésus. Donc, un accent sur les gens. Et soit dit en passant, on a eu notre première séance d'information cette semaine. Environ une quarantaine de personnes étaient là pour notre site de Terrebonne. Continuez de prier, on est très, très excités. Ça commence en janvier. Donc, mais ça fait partie de notre virage. Et on a un livre dans la Bible qui s'appelle « Les actes des apôtres ». Vous savez, on nous raconte l'histoire de Jésus dans les évangiles, il y en a 4. Après, il y a les actes des apôtres, où c'est justement comment les premiers disciples s'y sont pris pour faire des disciples. Et on voit là-dedans, il y a 2 chapitres vraiment importants, chapitres 8 et 9, où il y a un grand virage, où l'Église, à un moment donné, est devenue confortable, l'Église est devenue chrétienne, dans le sens avec un christianisme tel qu'on le conçoit. Et Dieu, par le Saint-Esprit, a vraiment bousculer l'Église, et l'Église est revenue à sa mission première. Et moi, ma prière, c'est « Seigneur Jésus, ramène-nous à notre mission première. » Donc, si vous avez une Bible, on continue avant-dernier message. On a vu, alors que vous allez dans Actes des Apôtres, chapitre 9, pour nos amis qui n'ont pas de Bible, ne vous en faites pas, on l'a sur les écrans. Je vous rappelle qu'à la fin de la réunion, c'est toujours possible d'aller dans la zone café pour prendre un bon café. Il y a des gens qui sont là, vous avez des questions à poser sur n'importe quoi. Ou si vous voulez une Bible, vous êtes là, vous dites, moi j'aimerais ça avoir une Bible. Donc c'est gratuit, simplement aller dans la zone café, on va vous remettre une Bible avec plaisir. Et on espère que ce livre-là va changer votre vie comme il a changé nos vies. Donc, chapitre 8 et 9, on a vu premièrement c'est quoi un disciple. On a vu il y a 2 semaines. Comment être un disciple? Donc, le mécanisme de la foi, de l'Évangile, la vie chrétienne, comment ça fonctionne? On a vu la semaine dernière comment évangéliser. Et ce matin, c'est un message qui est simple. C'est comment faire un disciple. Maintenant, je n'ai pas dit comment faire des disciples. Parce que vous savez, des disciples, c'est trop large. Des fois, il y a des gens dans mon équipe, on est l'équipe pastorale, puis il y a quelqu'un qui me dit, « Gaétan, il y a des gens qui disent que… » Et moi, j'ai toujours un réflexe, 2 questions. OK, combien et qui? Finalement, il y a une personne, puis c'est sa femme. On s'entend? Donc, des disciples, c'est trop large. Tout le monde sait qu'on doit faire des disciples, mais êtes-vous d'accord? On va se concentrer sur un ce matin. Donc, si vous avez une Bible, acte 9, on va regarder au plus grand disciple du christianisme. Celui que je crois, on va être d'accord, le plus grand disciple du christianisme, c'est certainement l'apôtre Paul. En tout cas, un des plus grands. Et il y a plusieurs années, Historia avait lancé une campagne, on peut mettre l'image s'il vous plaît, pour expliquer le début des grands hommes, et c'était comme Pablo avant de devenir Picasso, il y avait une émission, c'est Albert avant de devenir Einstein, et ce matin on va voir Saul avant de devenir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui est son nom latin, son nom international, mais son nom juif c'était Saul, et on le connaît c'est l'apôtre Paul, mais c'est avant qu'il devienne l'apôtre Paul, et j'aime toujours regarder les grands hommes et les grandes femmes de Dieu avant qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Donc, on va le voir. Acte 9, verset 1. Et dernière petite chose que je dis avant de faire la lecture, l'apôtre Paul était, avant d'être un apôtre, il était un persécuteur. Donc, lui, c'est un leader juif, puis il va persécuter les chrétiens, il les mettait en prison, il les tuait. Et maintenant, Jésus va le toucher. Quels sont ceux qui croient que si Jésus a touché l'apôtre Paul, il peut toucher n'importe qui ici ce matin? Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, et carburait à la haine envers les chrétiens, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Damas, par rapport à Jérusalem, c'est environ 250 kilomètres. Donc, lorsqu'il y a eu la persécution, les disciples ont fui dans différentes communautés juives et beaucoup de disciples, beaucoup de chrétiens ont été à Damas. C'est environ la distance de Montréal-Québec.
Donc, ils ont fui de Montréal à Québec à pied et l'apôtre Paul se dit « OK, on va aller les chercher là-bas. » Donc, il demanda des lettres pour les synagogues de Damas, s'ils trouvaient quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient dans la voie, donc la voie du salut. C'était une manière qu'on parlait des chrétiens à l'époque. Il pourrait ainsi les arrêter, les amener à Jérusalem. Il était en chemin, approcha de Damas, quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Pourquoi? Parce que l'Église, les chrétiens, c'est le corps de Christ. Et quand tu fais mal à un chrétien, tu fais mal à Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, ton boss n'est pas correct avec toi, laisse Jésus s'en occuper. Là, c'est pas une menace. Dites pas ça à votre patron. My Jesus. C'est pas ça que je suis en train de dire. Jésus dit à Paul, « Mais lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eut les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et sans rien manger ni boire. Maintenant, ça c'est la base, je ne vais pas commenter ce texte-là. On voit un homme qui devient un croyant de Jésus. Okay? Quels sont ceux qui croient que quand Jésus t'apparaît, il y a une grande lumière et il te parle, tu donnes ta vie à Jésus? Donc cet homme-là donne sa vie à Jésus, et on va voir comment... Les chrétiens vont prendre un homme, une personne qui croit en Jésus et en faire un disciple de Jésus. Comment ils vont en prendre quelqu'un qui ne connaît rien, qui a simplement un cœur ouvert, qui met sa foi en Jésus et en faire de lui un homme mature dans la foi? Comment ça fonctionne? Ce matin, je vous donne un guide hyper pratique, 10 étapes pour faire un disciple. Donc, je vais être vraiment concret ce matin. Comme on a pris l'apôtre Paul et on en a fait un disciple, tu peux toi-même t'investir dans quelqu'un et permettre que le Seigneur le façonne et que ça devienne un disciple de Jésus. Donc, première chose, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, celui-ci répondit, je suis là, Seigneur. Première chose, ça prend une qualification pour faire un disciple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas n'importe qui peut faire un disciple. Pour faire un disciple, ça prend un disciple. Un chrétien tiède ne peut pas faire un disciple en feu pour Jésus. Un chrétien qui marche par la chair ne peut pas faire un disciple qui marche par l'esprit. Un chrétien qui critique et qui chiale ne peut pas faire un disciple plein d'amour. Les gens dans lesquels tu t'investis vont toujours être moins que toi. Quand tu donnes la nourriture à quelqu'un, c'est frais et c'est chaud, mais ce n'est jamais aussi frais et aussi chaud que lorsque tu lui donnes. Donc, une réalité, pour faire un disciple, ça prend un disciple. Si tu es un âne, tu ne peux pas faire une brebis. Et la Bible dit que les chrétiens, l'image, c'est des brebis. Et Pasteur Sam a toujours enseigné cette vérité. Il croyait, et il croit encore, que les disciples se font sur le terrain et non pas à l'église. Il disait, ce n'est pas un berger qui enfante une brebis, mais c'est une brebis qui enfante une brebis. Ceux qui l'ont déjà entendu, dites amen. À parenthèse, prions pour Pasteur Sam. Vous savez, il y a eu des ennuis de santé. Cette semaine, il est entré à l'hôpital. Vraiment, ce n'est pas facile sa santé présentement. Donc, je profite de l'occasion, juste prier pour notre Père spirituel. Gardez-le dans vos prières, vraiment, que Dieu vraiment le relève. Déjà, Dieu a mis sa main sur lui, mais présentement, il a vraiment besoin que Dieu le touche. Donc, s'il vous plaît, priez. Vous allez prier? Donc, ça prend un disciple pour faire un disciple. Ça, c'est important. Maintenant, souvent, on se dit, non, mais je ne suis pas assez digne, Non, non, ça prend quelqu'un qui est juste sérieux avec Jésus pour faire quelqu'un qui va être sérieux pour Jésus. Et je pose la question suivante. OK? Est-ce que tu fais des disciples? Pourquoi est-ce que tu dois être un disciple pour faire un disciple? Parce que tu vas reproduire ce que tu es. J'aime beaucoup les photos de famille. Quelqu'un m'a envoyé un site dernièrement des photos de famille les plus ridicules que tu peux avoir. Et tu reproduis généralement dans quelqu'un qui tu es. Par exemple, on peut mettre la première image. Il y a du monde qui sent qu'il y a du monde qui... Si vous vous reconnaissez dans la photo, c'est pas de vous qu'on rit, là. OK? La réalité, c'est que tu reproduis dans ton enfant qui tu es. Là, maintenant, il y a quelque chose en même temps. Ce que tu vis avec Jésus, quand tu t'investis dans quelqu'un, ça va transparaître. Maintenant, je pose la question, et là, c'est une question qui fait mal. Si tu ne fais pas de disciple de Jésus, es-tu vraiment un disciple de Jésus? Ça va des deux bords. Ça fait mal parce que moi, j'ai posé un constat dernièrement. Dans tout ce focus, dans tout le lancement de focus, c'est Dieu m'a parlé. Vous savez, moi, je l'ai déjà dit, je l'ai dit lorsqu'on a lancé le focus, moi, ma conception de la vie chrétienne, c'est donne ta vie à Jésus, fais ton possible, accroche-toi, puis Dieu s'occupe du reste. La réalité, c'est que ça ne marche pas toujours comme ça.
Et j'ai une autre image, qui est pour moi l'image de la vie chrétienne. Vous voyez, une belle famille de sympathiques gens. Puis t'as un gars dans le milieu avec un chandail bleu, c'est écrit « Jésus est mort pour ma place au ciel ». Essayez de devenir le chrétien dans la gang. Mais voyez-vous, moi, pour moi, c'était un peu mon environnement. J'étais dans un environnement qui n'était pas chrétien. Puis finalement, je dis, par mes propres forces, puis finalement, je me suis accroché à Jésus. Mais la réalité, ça a amené une lacune dans mon ministère où j'étais très bon pour défier les gens à prendre une décision pour Jésus, mais je ne formais pas intentionnellement des disciples de Jésus. Et à un moment donné, lorsque j'ai lu cette phrase qui dit « Si vous ne faites pas des disciples de Jésus, vous n'êtes pas un disciple de Jésus », ça m'a rentré dedans. Parce que depuis 15 ans, je prêche l'Évangile, depuis 15 ans, je m'investis dans la vie des gens, mais je me suis rendu compte que je ne faisais pas des disciples d'une manière intentionnelle. Mon ministère, c'était des disciples accidentels. C'est-à-dire, je prêche l'Évangile, puis quelqu'un vient à la foi, puis s'accroche. Puis quels sont ceux qui croient que quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il nous demandait d'être intentionnels. Puis je te pose la question à toi qui es devant moi, à toi qui es pasteur, qui sont tes disciples? À toi qui es diacre ce matin, où sont tes disciples? À toi qui es responsable d'un petit groupe? À toi qui es au Seigneur depuis 20 ans? Qui sont tes disciples? Qui sont les gens dans lesquels tu t'es investi, tu as déversé ta vie et que tu as changé leur vie? Et moi, je crois que si tu poses un constat ce matin, c'est un bon moment pour commencer à s'investir dans les autres. Est-ce que je peux entendre amen à ça? La qualification, on a un Ananias qui est un disciple. On continue, versets 11 et 12. Le Seigneur lui dit, donc Ananias, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme, Ananias, qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. Deuxième étape, une sélection. Je te dis simplement, sélectionne, choisis quelqu'un autour de toi qui a soif de Jésus et investis-toi en lui comme jamais. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Il y a des gens qui disent, « Pasteur, c'est quoi mon ministère? » Moi, je me souviens, quand j'ai donné ma vie à Jésus, ma plus grande question existentielle, c'est quoi mon ministère? Quel est mon ministère? Puis il y a des gens ici, vous dites, « Pasteur, avec ton fameux focus, moi, j'ai perdu mon ministère. C'est quoi mon ministère maintenant? J'ai un ministère pour toi ce matin. Veux-tu savoir c'est quoi ton ministère? Ton ministère pour la prochaine année, c'est une personne. Une personne. Investis-toi dans une personne. Ananias, Dieu lui dit, « Tu vas t'investir dans une personne. » Maintenant, regardez la réaction de notre Ananias, versets 13 à 16. Puis en passant, avez-vous remarqué que Jésus ne s'est pas investi dans 50 personnes? Jésus s'est investi 3 ans dans 12 personnes. Et même encore, on voit que dans certains moments, Jésus en avait seulement 3, Pierre, Jean, Jacques. À la transfiguration, lors de la résurrection de Jaïrus, une jeune fille qui était malade, qui était morte, elle a ressuscité. Jésus a emmené seulement 3 hommes avec lui. Et lors du jardin de Gethsémané, il y avait seulement Pierre, Jean, Jacques. Jésus était vraiment focus. Le Fils de Dieu lui-même ne s'est pas dispersé, se concentrait sur quelques personnes. Il s'est concentré sur 12 personnes qui ont changé le monde. Si Jésus s'est concentré pendant 3 ans sur 12 personnes, moi je pense qu'un chrétien peut dire pendant une année, je vais me concentrer sur une personne, ça peut être un bon mandat. Je continue. Donc, voyez la réaction de notre Ananias. Et moi, j'aime Ananias, je me reconnais dans lui. Dieu lui dit, voici, tu vas aller voir Paul. Tu sais, celui qui a tué ta famille, puis celui qui s'est... Regardez l'apôtre, regardez notre Ananias. Il répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Ici même, il a été investi par les grands prêtres de l'autorité pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. En d'autres mots, il est en train de dire, est-ce bien toi, Seigneur, qui me parle? Et comme j'aime le dire, des fois, on a une confusion, c'est comme, à la place d'Ananias, j'aurais dit, « Arrière de moi, Satan, cette parole n'est pas de Dieu. » C'est un piège. Et là, Ananias, d'une manière polie, très diplomate, c'est comme, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est, « Est-ce bien toi? Est-ce que j'entends bien ce que je sens dans mon cœur, l'impulsion que j'ai? Dieu me parle. Est-ce que c'est vraiment Dieu? » Et regardez, mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Troisième étape, mon ami, quand tu décides de t'investir dans quelqu'un, tu as besoin d'une conviction. À l'Église, nous croyons seulement en Jésus. Mais il y a une expression qui dit « croire en quelqu'un ». Moi, je pense, c'est quand la dernière fois que tu as vraiment cru dans le potentiel de quelqu'un? C'est quand tu as vraiment cru que Jésus pouvait transformer quelqu'un? Savez-vous, c'est quoi le problème? On a un apôtre Paul, qui n'est pas encore un apôtre Paul, qui ne voit rien, qui est seul dans une maison. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul, il y a comme un combat, puis il raconte plus loin, il se sent comme un moins que rien. L'apôtre Paul se sent, puis son expression c'est, il se sent comme un avorton.
Il va dire, je suis moi le moindre d'entre tous, je suis le plus grand des pécheurs parce que j'ai persécuté l'Église de Jésus. On a un homme qui ne croit plus en lui. On a un homme, Dieu dit à Ananias, va le ramasser à la petite cuillère. Et la dernière chose que Paul a besoin d'entendre, c'est un chrétien qui vient lui dire, tu es un persécuteur. Il a besoin d'un chrétien qui lui manifeste la grâce et qui lui dit, Jésus n'a pas fini avec toi, il va faire une œuvre au travers de toi. Puis tu as besoin d'avoir de la conviction, tu as besoin de croire. On est dans une société où le cynisme est partout. Vous savez, c'est quoi le cynisme? Le cynisme, là, c'est qu'on doute des motifs, c'est qu'on est négatif par rapport aux gens, c'est qu'on est blasé. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui sont ici devant moi et tu es cynique. Tu es blasé. Tu vois du monde de lever leur main pour Jésus, tu es blasé. Tu en as vu tellement passer. Tu as vu des gens qui t'ont déçu. Moi, je prie dans cette série que le Saint-Esprit te réveille, que tu réalises que tu n'as pas à être blasé. Arrête de juger les gens. L'amour ne soupçonne point le mal. Sois plein de zèle et crois que Dieu peut faire une œuvre dans la vie des gens autour de toi. Puis quand tu vois quelqu'un et tu le crois, tu t'investis. Mais c'est difficile parce que moi, il m'est arrivé des fois de croire plus que certaines personnes. Moi, je me souviens, j'ai passé du temps, je me suis investi, j'ai mis mes tripes dans des gens où je vous croyais plus qu'eux-mêmes. Et savez-vous, c'est quoi la difficulté puis le piège? C'est qu'à un moment donné, tu te dis, quand tu t'investis dans quelqu'un puis cette personne-là se détourne, cette personne-là, finalement, se contente de rien, puis à un moment donné, ça fait mal, tu te dis, je vais arrêter. Je vais arrêter, tu vas te protéger. Puis... Mais le chrétien doit toujours laisser le Seigneur le renouveler puis toujours avoir une foi nouvelle et croire que Dieu peut faire un miracle dans la vie de quelqu'un. Et Dieu dit à Ananias, hey, cet homme-là, c'est un instrument de choix. C'est pas un persécuteur, je vais me servir de lui. Puis si l'apôtre Paul est devenu l'apôtre Paul, c'est parce que, premièrement, il y a Ananias, un chrétien anonyme qui a cru en lui à un moment donné. Puis il y a des gens ici, si vous êtes ici, c'est parce que quelqu'un a cru en vous à un moment donné. Puis si moi, je me tiens devant vous, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ont cru en moi à un moment donné. Parce que moi, je ne croyais pas en moi. Donc, tu as besoin d'avoir cette conviction. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Verset 17, regardez la réponse de notre Ananias. Ananias partit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa les mains sur lui et dit, « Saul, mon frère. » Je sais, là, je vous fais beaucoup participer ce matin. Est-ce que je peux entendre un « wow »? OK, si vous dites « wow », dites pas « wow ». Est-ce que je peux entendre un vrai « wow »? Hey, t'es un homme... T'as un Ananias qui a peur. Puis là, on imagine Ananias. Puis Ananias n'est pas rentré comme « Hey, Saul! » Non, on imagine qu'il est rentré comme... Puis il vient, puis il met ses mains sur lui, puis il dit « Mon frère. » Pourquoi? Parce qu'il croit que Dieu peut faire quelque chose. Puis ça l'amène l'autre étape, quand tu veux faire un disciple, quand tu veux que quelqu'un entre dans sa destinée avec Jésus, c'est l'association. Passe du temps avec cette personne-là. Écoutez-moi bien. Une prêche ne peut pas faire un disciple. Un programme ne peut pas faire un disciple. Un cours de formation disciple ne peut pas faire un disciple. Ça peut mettre des bases, ça ne peut pas faire un disciple. Même à la limite, un petit groupe, c'est un commencement, mais ça ne fait pas un disciple. À un moment donné, tu as besoin, toi qui as vécu quelque chose avec Jésus, tu as besoin de passer du temps avec quelqu'un. Puis comment ça se fait dans tes activités quotidiennes, dans la vie ordinaire? Un jour, il y a un pasteur qui est en train de travailler sur la clôture de l'église. Il est en train de clouer, de la réparer. Et là, il y a des enfants qui arrivent, puis des enfants, ils regardent, tu sais. Puis là, le pasteur, il dit, ah, ils veulent voir comment travaille l'homme de Dieu, puis là, tac, 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 tac. Puis là, il y a de plus en plus, il y a un paquet de petits gars qui sont autour, à peu près 7-8, puis ils regardent, puis là, ils ont les yeux fixés sur lui, puis le pasteur continue, puis il se dit, hey, tu sais, il est comme content. Puis là, il dit aux enfants, il dit, vous voulez voir qu'est-ce que ça a l'air, tu sais, un ministre de l'Évangile qui travaille de ses mains, puis là, un petit gars qui dit non, il dit, on est juste curieux de savoir qu'est-ce que ça dit un pasteur quand ça se cogne le pouce avec un marteau. Alléluia! La vie quotidienne, tu as besoin. Il y a des gens, leur plus grand besoin, c'est de voir un chrétien dans le quotidien. Puis la réalité, tu dis oui, mais j'ai pas le temps. OK, on est tous très occupés. C'est pour ça, mais rachète le temps. Il y a des fois où tu dois manger 3 repas par jour, mange avec quelqu'un. Tu dois voyager, voyage avec quelqu'un. T'es une maman à la maison, une autre maman qui a donné sa vie à Jésus, allez faire l'épicerie ensemble. Aller magasiner, mais il y a des activités quotidiennes, au lieu de les faire seules, amène quelqu'un. Il m'est arrivé des fois d'aller dans des retraites, je prêchais, puis j'emmenais un jeune prédicateur avec moi. Pourquoi? Je lui disais, tu vas voir derrière les rideaux. Et là, il voyait ma préparation, il me voyait prier, je disais, prie pour moi. Et là, j'étais là, puis il voyait comment ça marchait l'organisation. Puis
il faut qu'on prenne l'habitude, le réflexe d'amener des gens avec nous. Puis il faut toujours que je travaille là-dessus parce que je vous l'ai dit, j'ai un réflexe où je peux être très, très, très individualiste. Mais amène des gens dans ton quotidien. Et ça va beaucoup plus parler que n'importe quel cours. Est-ce que je peux entendre « Amen » L'association, il s'associe avec lui. Regardez, verset 18. « Au même instant, il tomba des yeux de Paul comme des écailles. Il retrouva la vue, il se leva et reçut le baptême. » Cinquième étape, la consécration. Savez-vous c'est quoi le plus important que tu dois enseigner à quelqu'un? Souvent on enseigne des versets, souvent on enseigne toutes sortes d'affaires, puis il y a des choses qui sont légitimes là. Mais la vie chrétienne, la chose qu'un disciple doit apprendre, la chose qui m'a fait le plus de mal à apprendre, c'est obéir à Jésus. On n'aime pas l'obéissance aujourd'hui. Puis quelqu'un m'a envoyé cette citation, je pense que c'est Pasteur Phil et même Pasteur Denis, le mis également sur son Facebook. Écoutez bien, trop souvent nous sommes prêts à être des étudiants du christianisme plutôt que des disciples de Christ. Le fait que la plupart d'entre nous substituons l'apprentissage et l'information à l'obéissance pratique. On voit la formation disciple comme donner, downloader, télécharger, donner de l'information alors que c'est simplement montrer comment on obéit à Jésus dans le quotidien. Comment est-ce qu'on suit Jésus? Et regardez comment ça commence. L'apôtre Paul, dès le départ, Ananias il dit, OK, c'est pas dans le texte, mais c'est clair. OK, l'apôtre Paul dit, je veux servir Jésus. Quand je suis pécheur, j'ai besoin de lui. Il est mort pour moi, j'ai une révélation. Je veux passer la vie éternelle avec lui. Je suis perdu. Puis Ananias lui dit, OK, première chose, tu vas apprendre à obéir. Passe dans les eaux du baptême. Puis on le voit, avez-vous remarqué que le baptême est partout? Avez-vous remarqué, on le lit, on a Philippe qui arrive à Samarie, les gens croient en Jésus, se font baptiser. Simon croit en Jésus, se fait baptiser. L'eunuque croit en Jésus, se fait baptiser. L'apôtre Paul croit en Jésus, se fait baptiser. Quels sont ceux qui croient que Dieu est en train de te parler ce matin-là? Dans notre société, on a fait un christianisme où le baptême est quelque chose d'optionnel. Puis il y a des gens qui sont devant moi, écoute-moi bien. Ton défi, tu es là, on avait un temps de louange, tu es là, tu loues Jésus, tu as une foi en Jésus, mais pour une raison que toi seul connais, tu refuses de te faire baptiser. Et là, je ne mets pas de pression, là, je veux juste te défier, un disciple, à être obéissant au Seigneur. Le reste, ça t'appartient. Mais tu ne peux pas t'attendre à marcher avec Jésus si tu n'obéis pas à la première étape de la vie chrétienne. La Bible dit que lorsque tu as mis ta foi en Jésus, tu es comme si tu as passé de la mort à la vie. Et pourquoi est-ce qu'on met les gens dans l'eau et on les sort et on ne le fait pas dans la terre? C'est que l'eau, c'est un symbole de purification. Et en fait, tu te dis, Jésus m'a pardonné, Jésus a changé ma vie, j'étais mort, je suis devenu vivant. Si vous êtes gentil, à la fin de mon message, je vais vous présenter le jour où je me suis fait baptiser il y a 20 ans. Mais vous êtes très mal parti. La réalité, il y a des gens ici, tu as vécu quelque chose à l'intérieur, il faut que tu témoignes à l'extérieur. Puis tu sais quoi le problème? Il y a des gens, et là je mets les choses en place, il y a des gens, là, tu repousses le baptême. Puis en passant, il n'y aura pas, je vais revenir, OK? Si je ne reviens pas, si je ne dis pas spot, là, lève la main, OK? Il faut que je parle de ça. La réalité, c'est que d'autres personnes, tu prends ton baptême à la légère. C'est-à-dire, tu te fais baptiser, mais il n'y a aucune transformation dans ta vie. Le baptême, c'est tout ça un engagement. Tu n'es pas parfait, mais ce n'est pas juste un trip où je vais dans l'eau et c'est le fun. C'est, il y a quelque chose où tu t'engages devant Dieu. Dernièrement, j'ai passé un examen de la vue. L'optométriste me disait, il y a deux cercles. Et lorsque les deux cercles vont être ensemble, tu me dis, là, ton problème, tu as deux dimensions. Puis il y a des gens, là, tu dois ajuster la dimension intérieure et extérieure de ta foi. C'est-à-dire, si Jésus a fait quelque chose à l'intérieur de toi, témoigne-le à l'extérieur. Si tu as honte de le faire dans l'Église, tu vas avoir honte de le faire dans la société. Puis il y en a d'autres, tu veux te faire baptiser, ou peut-être tu t'es fait baptiser, mais tu te rends compte que ce que tu fais à l'intérieur ne reflète pas ton extérieur. Moi, je te dis, tu as besoin de dire, Seigneur, pardonne-moi la grâce de vivre et de marcher dans cette nouveauté de vie, parce que c'est la plus belle des vies. Et là, je reviens sur le spot. Pourquoi je le mentionne ce matin? Ce matin, c'est le dernier temps pour s'inscrire pour le baptême de la semaine dernière. Semaine prochaine. Il n'y aura pas à passer. La dernière fois, on avait fait des « sur le spot ». On avait demandé aux gens à la fin, c'est des gens qui veulent se faire baptiser là, de se lever. On ne le fera pas la semaine prochaine. Pourquoi? On pense que c'était vraiment une parole de Dieu, on croyait que c'était ça. Puis ça se peut, on va le refaire dans l'avenir, mais on ne veut pas en faire. Vous savez, quelquefois, Dieu nous parle, puis on en fait une méthode. Nous, on croit à l'Église de Portail qu'il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Et là, ça fait un mois que je te parle de la vie de disciple. Là, il n'y a pas de question d'impulsivité, là, c'est que tu as eu le temps de réfléchir, est-ce que vraiment tu veux suivre Jésus? C'est pourquoi cette dernière journée pour s'inscrire. La semaine prochaine, ceux qui sont là, on ne fera pas d'appel le matin même pour se faire baptiser.
Donc, je te défie. Je te défie, comme l'apôtre Paul se fait apprendre, la première chose, tu apprends l'obéissance, tu dois apprendre. Si c'est vraiment Jésus, tu as mis ta foi en lui, obéis à ce que le Seigneur te demande, puis tu vas voir, quand tu obéis à la parole de Dieu, tu n'es jamais perdant. Tu n'es jamais perdant, puis ça va sceller. Un des problèmes, il y a des gens qui sont devant moi, tu es up and down, pourquoi? Parce que tu n'as jamais pris un pas solide pour le Seigneur. Peut-être que tu as levé ta main, peut-être que tu es ici chaque dimanche, mais est-ce que tu as pris position publiquement pour Jésus? Moi, quand je l'ai fait, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Est-ce que vous êtes toujours là? Verset 19. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et regardez le verset suivant, il n'est pas ici sur l'écran, mais « Aussitôt, Paul se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Sixième étape, c'est l'étape de la démonstration. Si tu veux faire un disciple, tu dois lui démontrer comment se comporte un disciple. Quand quelqu'un cherche son trajet, tu peux lui dire « Voici le trajet » ou tu peux lui dire « Suis-moi, je vais te montrer le chemin, je le connais. » Est-ce qu'on est d'accord que c'est plus facile de suivre quelqu'un? Une des tragédies de notre christianisme moderne, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent le dimanche, puis moi je leur dis « Voici le trajet, voici le chemin, Jésus est le chemin. » Mais ce qu'ils ont besoin, c'est du monde, de suivre du monde qui vont leur montrer le chemin. Puis c'est quoi montrer le chemin? Très, très facile. Je me souviens, ma femme et moi, on s'est investis dans un couple. Ça a commencé qu'il y a un couple qui vient me voir et me dit « Pasteur, il faut que tu viennes chez nous, il faut que tu viennes prier, il y a des démons, mes enfants ne sont pas du monde. » Vous me voyez venir. J'arrive là, puis là, je dis, j'ai quand même un don qui s'appelle le discernement spirituel. Je dis, puis là, je vois la dynamique, je dis « Tu sais quoi ton problème? Ton problème, là, c'est pas le démon, là. Ton problème, c'est que tu n'élèves pas tes enfants. » C'est un cas de violence conjugale, une histoire, puis... Puis ce couple-là, tu sais, il y a des gens ici, il y a des choses que tu prends pour acquis. Tu as élevé tes enfants, tu élèves tes enfants, ton mariage, tu prends pour acquis. Mais dans une société où les familles sont dysfonctionnelles, il y a toute une génération où ils n'ont pas eu de modèle de comment ça marche, une famille qui fonctionne. Puis des fois, juste d'avoir un couple mature qui s'assoit pour expliquer à un autre couple, « Garde, ton enfant là qui se lève la nuit à 2 heures pour écouter la télévision, c'est pas une bonne idée. » Puis quand, puis là, à un moment donné, tu es à la table, puis il disait, là, le père, il dit, « Arrête, sinon je vais me fâcher. Arrête, sinon je vais me fâcher. Attends pas que je me lève, c'est la dernière fois que je te le dis. C'est encore la dernière fois que je te le dis. C'est la 7e fois que je te dis que la dernière fois que je te le dis. » Puis là, j'ai dit à un moment donné, « Tu sais, il y a du monde, là, vous dites, voyons, voyons. Non, mais... » Puis là, j'ai dit, « C'est-tu quoi ton problème, là? Là, il faut juste que tu te lèves puis que tu fasses ce que tu dis. » Tu sais, avec un mot, puis là, c'est comme, « Hey, wow, hey, ça marche. » Là, j'essaie de dire, il y a du monde, là. Il y a des jeunes hommes qui se marient, ils ont la misère, puis là, les chums, puis tout ça. Puis ce qu'ils ont besoin, c'est juste que quelqu'un de mature leur dise comment ça marche, là. Ta famille, c'est ta priorité, comment ça marche. Donc, c'est quoi? C'est ça la vie chrétienne. C'est pas juste lis ta Bible, puis il y a une dimension, mais il y a des gens, ils ont juste besoin d'apprendre dans le quotidien comment ça marche, quelqu'un qui est fondé sur Jésus, puis qui veut avoir une vie qui a de l'allure, puis s'appuyer sur la parole de Dieu. Les informations du dimanche, c'est une chose, mais on croit que quelqu'un qui passe du temps, des chrétiens qui passent des temps avec du chrétien, avec des chrétiens, ça peut faire une différence, puis c'est comme ça qu'on fait des disciples. Est-ce que je peux entendre un autre amen? Une des illustrations que j'aime beaucoup, vous savez que, je sais que je l'ai déjà dit, mais il y a des gens qui sont ici pour la première fois, Charlie Chaplin a participé à un concours d'imitateur. OK, c'était un concours d'imitation de Charlie Chaplin. Lui, le vrai Charlie Chaplin, a été dans le concours à San Francisco, il a fini 3e. Est-ce qu'on s'entend que le numéro 1 et le numéro 2 étaient excellents? L'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, il dit « Regardez à ma vie. Ma vie n'est pas parfaite. » Puis, hey, en passant, je sors de mes notes. Souvent, là, quand on veut former des disciples, un des pièges, c'est on veut donner une vitrine. Tu sais, comme « Voici c'est quoi un disciple. » Les gens ont besoin de voir qu'est-ce que c'est un disciple qui chute, puis qui a besoin de la grâce de Dieu, puis un qui lutte avec le péché, puis quelqu'un de transparent. Puis c'est pourquoi dans mes messages, souvent, je ne me mets pas une façade, je vous dis mes gaffes. Pourquoi? Parce que je sais que c'est important, parce que ce que je veux, c'est que tu t'associes avec mes réalités, puis que tu vois que l'évangile que je te prêche, j'ai les mêmes difficultés que toi. Mais c'est ça, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de quelqu'un qui s'accroche à Jésus, puis les gens vont voir c'est quoi un pécheur qui s'accroche à Jésus. C'est ça que notre monde a besoin de voir. Je continue. Verset 20 à 22. Aussitôt, et là, c'est fort, l'apôtre Paul, c'est un nouveau croyant, il connaît à peu près rien du christianisme, et là, il commence déjà. Aussitôt, il se met à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient stupéfaits disaient, « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener devant le grand prêtre? » Cependant, Saul était de plus en plus puissant et confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Il y a un principe ici, puis là, il y a des leaders, écoutez-moi ici, là.
OK? Le septième principe, c'est la délégation. Trop souvent, on monte les gens, mais à un moment donné, il faut leur donner de l'espace. L'apôtre Paul va dire à Timothée, à son jeune disciple, il va dire, « Ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. » Il sait, beaucoup de gens, là, tu as le témoin, c'est la course à relais. Mais je te pose la question, à qui est-ce que tu donnes le bâton présentement? Il y a plein de leaders, il y a plein de personnes matures, ici tu as un bâton, et la tragédie, tu vas mourir avec le bâton. T'es comme l'homme dans les films. Vous savez, il y a toujours quelqu'un là, qui a un trésor. Il sait où est le trésor, mais il meurt. Et là, on essaie de retrouver le trésor. Il y a des gens ici, tu vas mourir avec toute ton expérience chrétienne et tu ne l'as pas transmis. Vous savez, c'est un des problèmes des églises. Les chrétiens n'apprennent pas à transmettre à l'autre, de laisser de la place à l'autre. Puis en passant là, au leader de cette église, délègue. Je disais à un leader, il me demandait, il me disait, oui, mais je ne veux pas déléguer parce que ça ne sera pas aussi bien fait que moi. Je dis, bien, justement. La première fois que tu as fait quelque chose, ce n'était pas parfait. Apprenez à déléguer. Moi, quand je suis rentré dans le ministère, il y avait plein d'églises solides autour de moi. Et toutes ces églises-là, ou presque, ont vécu une crise de leadership. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de pasteurs qui n'ont pas préparé la relève. Mais ça, c'est un symptôme de beaucoup de chrétiens qui vivent l'Évangile pour eux, mais ne s'investissent pas dans d'autres. Vous savez, tu as besoin de faire confiance à d'autres. Tu as besoin de laisser la place à d'autres. Moi, j'avais 2 ans de vie chrétienne. Okay, mon premier pasteur, ce n'était pas un homme qui était qui affirmait, qui encourageait beaucoup, mais j'avais 2 ans de vie chrétienne, puis à un moment donné, il m'a dit, tu vas prêcher à l'église. J'avais 2 ans de vie chrétienne, j'avais 19 ans, puis il m'a fait prêcher à l'église. C'était catastrophique. Puis, savez-vous quoi? Il m'a dit, good job, tu reprêches le mois prochain. À 20 ans, il me dit, hey, il y a Pâques qui arrive, ce serait le fun de faire prêcher un jeune. Mais, imaginez quand quelqu'un te fait confiance comme ça, tu ne veux pas le décevoir. Tu ne veux pas le décevoir, tu veux prendre ta chance. La réalité, c'est que faisons confiance aux gens autour de nous. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Et c'est un peu ça, la philosophie derrière les sites, c'est justement de permettre l'émergence de leadership, de faire de la place. Mais déjà ici, toi, tu as ton ministère. Je termine ce point-là. Tu as ton ministère, puis tu aimes ton ministère, puis tu es un peu comme Gollum, mon précieux. Mon ministère. Partage ton ministère. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah, on aime servir le Seigneur, mais là, c'est ma job. Puis là, il y a un nouveau qui arrive, c'est comme... Faisons de la place. Hey, c'est pas ton ministère, c'est le ministère de Jésus. Si Jésus, il peut te l'enlever demain matin. Là, c'est l'église de Jésus, c'est pas... Hein? Même le pasteur de l'église, ultimement, c'est pas moi, là, c'est Jésus. Là. Donc, vous avez compris ce que ça veut dire? Si vous écoutez le message audio, présentement, vous ne comprenez pas. Mais quand même, soyez bénis. OK, on continue. 23-25. Après bien des jours, les Juifs... Et là, oh, suivez-moi, ça, là, c'est génial. Après bien des jours, les Juifs résolurent de supprimer. Donc, les Juifs, ils disent, « Hey, Paul qui était de notre gang, maintenant Saul qui était de notre gang, il est rendu avec les chrétiens, c'est un traître, puis il est tellement efficace, il est tellement bon, il faut qu'on le tue. » Pourquoi? Parce que nous, on croit en Dieu après tout, OK? Donc, après bien des jours, les Juifs résolurent de supprimer, et Saul eut connaissance de leur complot. Ils surveillaient même les portes de la ville jour et nuit pour le supprimer. Mais de nuit, ses disciples le prirent et le descendirent dans une corbeille le long de la muraille. Les disciples de Paul, ils viennent d'arriver, puis déjà, le gars, il a le réflexe de s'investir dans d'autres. Hein, moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été dans mon église, pendant 5 ans, j'étais considéré nouveau. Mais ben là, c'est long, à un moment donné, 5 ans, là, c'est comme, quand est-ce que je peux graduer, là? Paul vient de donner sa vie à Jésus, il y a des gens qui s'investissent en lui, mais déjà, il a le réflexe de s'investir en d'autres. La Bible dit ses disciples. C'est-à-dire des gens qui ont été influencés par Paul, qui sont ses amis, qui reçoivent l'expérience de Paul, puis ils vont prendre soin de lui. À toi qui t'es ici, tu dis, moi, ça fait 1 an, je ne connais pas grand-chose. Déjà là, tu peux t'investir dans la vie de quelqu'un, parce que tu connais déjà Jésus. Amen. Puis imaginez, là, OK, j'ai besoin de quelqu'un. Vite. Je vais faire une illustration visuelle. Est-ce que j'ai un disciple? Super. Ça fait quatre semaines, j'en prêche. J'ai besoin de quelqu'un, n'importe qui. S'il vous plaît, je vous en supplie. OK, go. OK. Assieds-toi là, OK. C'est beau, les gars. Hey, venez-vous-en, venez. Hey, moi, j'aime ça, les gars se lèvent. Alléluia. OK. Regardez, là. Souvent, on parle d'évangélisation, de réveil, puis on va être terre à terre à un moment donné. Là. Supposons que moi, je prends la prochaine année avec Alain. OK? Je m'investis dans Alain, on partage ensemble. Tu sais, je prends du temps avec Alain pour le former. Pendant 1 année. L'année d'après, OK, vient-t'en.
OK, viens-t'en. OK. Allez, laisse la place. OK. Prépare-toi. Ben, prépare-toi tranquillement parce que ça a l'air assez pénible d'en venir, là. OK. OK. Donc, dans la deuxième année, moi, je me concentre avec un autre qui a, tu sais, un pêcheur qui a beaucoup de difficultés dans la vie. Pasteur, je m'investis en lui. Pendant ce temps-là, Alain, il s'investit en toi. OK? Après, hein? OK. Bien-t'en. Là, j'ai besoin de trois autres gars. Ou trois femmes aussi. Venez-vous-en. OK. Faites-vous-en pas, on va aller jusqu'à 50 puis ça s'arrête. OK. Va derrière lui. Viens-t'en, Daniel. Va derrière Phil. Et là, la troisième année, moi, je m'investis en lui. Toi, tu t'investis en elle. Imaginez, est-ce que vous savez, après 10 ans, OK, je ne le ferai pas, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que vous savez, après 10 ans, on a formé combien de disciples? 1024. C'est exponentiel. Alors que souvent, on cherche tout, on veut toucher notre monde. Tu veux toucher le Québec, commence à former un disciple. Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Merci. Imaginez, dans notre église, on est au-delà de 1000. S'il y a seulement 100 personnes qui prennent au sérieux le message de ce matin, je vous le dis, c'est exponentiel. C'est exponentiel, mais c'est comme ça que l'Évangile s'est répandu partout à travers le monde. Parce qu'il y a des hommes qui se sont dit, on est du monde ordinaire, mais on va investir dans d'autres personnes ordinaires qui vont le faire à leur tour, puis ça crée une méga vague de l'esprit. OK, j'ai presque terminé. Verset 26. Donc, on voit là, ses disciples l'amènent ailleurs. Arrivé à Jérusalem, Saul tentait de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui. Ça, c'est drôle parce qu'il arrive et il dit, hey, les gars, je suis dans votre équipe. C'est comme, oh, on n'est pas sûr. Hein, les chrétiens, c'est comme, ouf, t'es pas dans la gang. Hein, merci que ça a changé aujourd'hui. Mais tous avaient peur de lui, ne croyant pas qu'il fût disciple. Hein, on est cynique. Alors, Barnabas le prit avec lui. C'est intéressant et je ne ferai pas longtemps là-dessus. Barnabas veut dire l'encourageur, le fils d'encouragement. On le voit ailleurs dans les Actes des Apôtres, puis c'est quelqu'un qui encourage tout le monde. Lui, il a un ministère d'encouragement, un ministère d'exhortation. Moi, je te dis, si tu es un disciple, là, commence par encourager et exhorter les gens autour de toi, simplement. Ça fait tellement du bien d'encourager. J'ai écrit sur Facebook cette semaine, si aujourd'hui tu sens dans ton cœur que tu devrais arrêter de faire ce que tu fais pour encourager quelqu'un, fais-le. Hein, ça fait du bien de se faire encourager. Moi, ça me fait du bien quand les gens m'encouragent. Encourageons les gens. Puis on a un Barnabas qui, personne ne veut prendre soin de Paul. Puis moi, je crois qu'Ananias a une influence. Mais s'il y a quelqu'un qui a une influence dans la vie de Paul, c'est bien Barnabas. Parce que c'est le seul qui a voulu le prendre en charge. C'est le seul qui a voulu s'investir dans sa vie. Mais imaginez en haut au ciel. Imaginez là, les autres disciples. Puis il n'y aura pas de condamnation au ciel. Mais imaginez là, quand les gens vont voir l'apôtre Paul arriver. Puis tous ceux qui l'ont, tu sais, qui l'ont traité en reject. Puis là, vous avez Barnabas. Avec beaucoup d'humilité. Hey, c'est un bon coup, là. Hein, c'est un bon pari de miser sur cet homme-là, sauf si ça devient l'apôtre Paul. Comme on dit en hébreu, good move. Mon dernier point. Barnabas l'amena aux apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, que celui-ci lui avait parlé et comment Damas s'est exprimé avec assurance au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Un dernier principe, c'est le principe de l'inspiration. Et ça, là, c'est pour ça que la Bible, c'est important de la lire tranquillement parce qu'on manque plein d'affaires. Barnabas l'amène aux apôtres. Paul, à un moment donné, là, Dieu l'appelle à être apôtre. Puis Paul, pour devenir un apôtre, il a besoin de se coller à des apôtres. Le principe spirituel derrière ça. On dit souvent, qui se ressemble, s'assemble. Moi, je crois que ce n'est pas vrai. Je crois qu'il y a un principe. En fait, c'est vrai naturellement, mais le principe biblique surnaturel, c'est tu vas finir par ressembler avec ceux à qui tu t'es assemblé. Le point est suivant. Si tu veux voler avec les aigles, tu devras arrêter de nager avec les canards. L'apôtre Paul est devenu l'apôtre Paul parce qu'il s'est collé à des hommes qui l'ont inspiré. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a du monde ici, le plus grand service que tu peux te rendre. Puis j'ai parlé un message, hein, qu'il faut être dans notre monde. Puis moi-même, j'ai des amis de toutes sortes de statuts, de croyances, puis il faut, on est là. Mais il y a des gens ici, le plus grand service que tu peux te rendre, c'est de développer des amitiés avec des gens qui vont te défier à te rapprocher de Jésus.
Il y a des gens, ton problème, c'est que tu te tiens avec du monde charnel, qui sont charnels comme toi. Tu te tiens avec des chialeux, tu vas chialer. Tu te tiens avec des critiqueux, tu vas critiquer. Mais si tu te tiens avec du monde qui veulent plus de Jésus, ils vont te donner le goût de Jésus. Tu te tiens avec du monde, vous êtes un couple, ça ne fonctionne pas. Okay? Au lieu de, tu sais, des fois, il y a des couples qui ne fonctionnent pas, qui se tiennent avec des couples qui ne fonctionnent pas. Moi, je te dis, pourquoi pas te trouver un couple qui va vous inspirer? Hein, pourquoi? Parce que de voir un autre couple, ça va vous... Hey! Parce que là, à un moment donné, tu as l'impression qu'il y a des problèmes de couple partout, ça te motive pas. Mais quand tu vois quelqu'un, tu dis, hey, par la grâce de Dieu, ça peut marcher. Puis il y a du monde ici, tu as besoin de te tenir avec des gens avec qui tu veux ressembler. Ton problème, c'est que tu tiens avec du monde qui tire vers le bas plutôt que qui tire vers le haut. Puis des fois, c'est dans ta propre maison, puis tu n'as pas le choix, là, mais tu as besoin, dans toutes tes relations, tu as besoin d'avoir des aigles autour de toi. Tu as besoin d'avoir des aigles. Tu as besoin d'avoir des gens qui vont... Pas qui sont rendus là, puis... Mais moi-même, je regarde, puis il y a des gens que je regarde qui sont des aigles. Parce qu'on a tous dans nos vies des parts de canard. Puis il y a des gens que je regarde, puis je dis, moi, là, ça m'inspire. Puis il y a des gens que je vois autour de moi, je dis, ça ne m'inspire pas. Mais tu as besoin. Et l'apôtre Paul est devenu l'apôtre Paul parce qu'il s'est tenu avec les apôtres. Et dernier verset. Il parlait et débattait aussi avec les gens de langue grecque, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Donc, ça ne va pas bien. Là, tout le monde veut le tuer, mais il continue. Les frères en eurent connaissance et le firent descendre à Césarée et le firent partir pour Tarse. Et à partir de ce moment-là, vous savez, pour plusieurs années, on ne va pas entendre parler de l'apôtre Paul. C'est seulement au chapitre 11, le verset 25, que l'apôtre Paul recommence. Et là, on voit les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Mais pendant plusieurs années, à partir de ce moment-là, on n'en parle pas. Puis si vous lisez les Actes des apôtres, on va parler de Pierre, on parle de Corneille, mais on ne parle pas de l'apôtre Paul. Il est sous le radar. Quels sont ceux qui croient que tu peux être sous le radar des hommes, mais que c'est un temps de préparation divin? Et j'aimerais vous présenter, quelqu'un m'a envoyé dernièrement le vidéo de lorsque je me suis fait baptiser il y a 20 ans. La première fois que j'ai parlé en public, et vous n'avez pas le droit de rire, OK? Non, bien, j'ai un grand sens de l'autodérision. Je veux le montrer pourquoi. Vous savez, en passant, là, juste entre nous, là, mon baptême n'a pas plus de valeur que votre baptême. Hein, mon mariage n'est pas plus spécial que votre mariage. Mes enfants ne sont pas plus précieux que vos enfants. Souvent, le pasteur a une vitrine. Puis évidemment, moi, je parle de ma vie, mais c'est toujours pour t'inspirer et pas pour démontrer que moi, ça a plus de valeur. Puis il y a des gens ici, tu n'as pas le spotlight, tu ne peux pas présenter ton baptême, mais moi, je veux juste dire que mon baptême n'est pas meilleur et pas plus important que le tien. Hein, quand j'ai donné ma vie à Jésus, là, la Bible dit que les anges se réjouissent. Ils n'ont pas fait un extra parce que c'était Gaétan Brassard. Hein, je suis juste un homme ordinaire, mais je veux vous montrer mon baptême. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens ici, tu hésites. Puis je regardais ça, quelqu'un m'a envoyé ça il y a 20 ans. Le son, hey, imaginez, il y a 20 ans, là, la technologie, ce n'était pas aujourd'hui, donc il n'y a pas d'HD. Là. Okay, le son est médiocre. C'est pourquoi on l'a sous-titré. Mon français est aussi médiocre. Mes cheveux sont aussi médiocres. Il y a 20 ans, je venais de donner ma vie à Jésus. J'avais 17 ans. La première fois que j'ai parlé de Jésus, c'était à ce moment-là. Bon, on va commencer, j'ai toujours eu la foi, mais je cherchais quelque chose. Depuis un an et demi, avec mon Seigneur, j'ai commencé à mettre quelque chose dans mon cœur. Tu sais, je voulais chercher quelque chose encore plus, mais j'ai été un peu vers le faire une histoire, des opérations, des choses comme ça. À un moment donné, tu sais, je suis resté à la première écoute, et à un moment donné, mon père a pris son capital de personnel. Il m'a non parlé, tu sais. Je suis venu, j'ai accepté Seigneur, une histoire personnelle, mais c'est. Après ça, il y a eu 6 mois, c'est comme un cheminement spirituel, mais pas mal de fois, tu sais, je venais à l'église, une semaine, c'était pas. Tu sais, Seigneur, tu sais, dans ma liste de priorité, tu as des 7e, 8e. Je ne sais pas si c'est un peu plus de temps.
C'est vraiment là que j'ai compris. Je veux dire vraiment, Seigneur, je vous le vois, amen. Seigneur, je prie que tu puisses garder ta main sur tes mains. Que ton onction, Seigneur, que ton esprit l'année jour après jour. Utilise-le, Seigneur, pour toucher le cœur des autres de jeunes. Merci de la transformation en lui, Seigneur. Rends-le bouillant pour toi, oh Dieu. Tu deviens une colonne, Dieu, grâce, pour nous aider son peuple. Je prie au nom de Jésus. Amen. Père, tu es embrassant sur la confession de ta foi, notre Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça me touche toujours, c'est un beau souvenir, voilà, mon premier pasteur, pasteur Michel. Et comme je vous ai dit, mon baptême n'est pas plus spécial que n'importe quel autre baptême. Mais je veux parler à des gens. Vous savez, des fois, je parle à des gens qui sont ici, que tu ne considères pas chrétiens, puis je me bats avec toi, je veux te défier, je te brasse un peu pour te forcer à réagir à Jésus, prendre position pour Jésus. Quelquefois, je parle aussi à des gens, des chrétiens d'expérience, puis toi aussi, je veux que tu vives plus l'Évangile. Mais ce matin, je veux m'adresser à des gens qui... Peut-être que ça fait quelques semaines que tu viens. Peut-être que ça fait une année. Peut-être comme moi, tu venais aux deux semaines. Tu viens une fois de temps en temps. T'es ouvert à Jésus. T'as une foi en Jésus. T'aimes venir à l'église. Mais t'as pas fait un pas. T'es comme un peu en deux. Peut-être même t'as levé la main, mais t'es comme en deux. Là. C'est que t'es pas vraiment dedans, mais t'es pas vraiment à l'extérieur. Jésus va dire à quelqu'un comme lui, comme toi, va dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Moi, je veux te parler, encore une fois, je veux te défier ce matin, à toi qui viens à l'Église, à toi qui es ouvert à Jésus, à toi qui, tout ce que je dis, l'Évangile, là, ça fait une couple de fois, tu reviens parce que ça fait du sens, c'est juste que tu ne te l'es pas approprié. Moi, je veux te défier à te l'approprier ce matin, à te faire baptiser la semaine prochaine. Simplement, il y a 20 ans, jour pour, 20 ans cette année, je me suis fait baptiser. J'aurais jamais cru que dans 20 ans, j'avais même pas l'appel au ministère. J'étais comme, évidemment, Dieu m'avait appelé, mais je savais rien de l'Évangile. Si on m'avait dit dans les eaux du baptême que dans 20 ans, je serais pasteur d'une église comme celle-ci, puis que je l'aurais pas cru. Si on m'avait dit, voici ce que va être ta vie, puis dans 20 ans, ça semble long, mais ça passe vite 20 ans. Tu sais pas ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Puis sais-tu qu'est-ce qui m'émerveille? C'est que je m'écoute parler, puis j'aimerais refaire mon témoignage, parce qu'il y a des choses comme... Mais je dis, c'est drôle, je parle de chrétien, de disciple, je parle de je veux vivre pour Jésus, par Jésus. Je prêche ça aujourd'hui. Déjà, Jésus avait mis une semence dans mon cœur qui. Puis malgré les années, c'est comme. Déjà ici, tu peux dire, ouais, t'es pas original, pasteur. Mais il y a comme déjà, alors que je connaissais rien, il y avait une semence. Puis déjà ici, Jésus a déposé une semence dans ton cœur. Puis ce que tu réalises pas, là, c'est qu'en obéissant au Seigneur, dans 20 ans, peut-être que cette semence-là va devenir un arbre, va devenir une plante. Ce que je veux dire, c'est que il y a ce moment-là, il y a 20 ans et aujourd'hui, j'ai passé de nombreuses années sous le radar. Aujourd'hui, je suis en public, puis les messages sont écrits, mais j'étais sous le radar. Puis la vie de disciple, savez-vous, c'est quoi, là? C'est pas être sous stage. J'ai lutté avec le péché. Le péché m'a fait mal. J'ai eu de la misère à me débarrasser des affaires, j'ai eu de la misère à changer ma pensée, laisser le Seigneur transformer mes pensées. J'ai chuté. Pendant des années, j'ai eu des doutes. Est-ce que Jésus est vrai? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je retourne à mon ancienne vie avec plein de batailles que personne ne sait? Plein de choses à cacher. Des choses que toi, tu vis. J'ai vécu la même affaire que toi. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis à cause de Jésus. Et par la grâce de Dieu, deviens ce que tu dois être par la grâce de Jésus. Ce matin, je ne ferai pas d'appel à lever la main. Je ne ferai pas l'appel à l'autel. Je fais un appel cette semaine
La porte d'entrée vraiment d'obéissance, c'est le baptême. Si ton cas, tu peux le faire en ligne. Il y a des formulaires qui sont là. Arrête de remettre. Entre dans le plan que Dieu a pour ta vie. Amen. Chantons combien Dieu est grand.